Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Jeudi à ce week-end, jeudi à ce vendredi 15 décembre. Dans deux semaines encore, à peu près, année a fini. Donc, à salutation, moi, je souhaite nous expliquer de passer une bonne soirée. Monsieur, on a passé une bonne journée et on a passé un bon week-end tout en compagnie de la Voix de l'Amérique. Pas oublier de visiter toutes les plateformes nous, merci en pile, mon cap salut. Donc, mon cap compte à bord là, et bien, abdou que grand point d'actualité à Yodia, c'est surtout visite John Sullivan, c'est responsable et un gros responsable dans la Maison Blanche. Monsieur a fait un maïnouillant, côté monsieur rencontré avec l'autorité israélienne, rencontré avec l'autorité palestinienne autour, le président israélien. Herzog, et on a pris le ministre de Benjamin Netanyahu, on a avec l'autorité palestinienne, parmi eux, et Mahmoud Abbas. Ils sont pour discuter sous crise là, et qui j'en que l'été quoi, que crise est capable de résoudre, de façon que capable de résoudre crise là. De façon, selon ça qu'il dit, et il n'y a pas de nécessité pour Israël, pas menacer, mais au moins et contrôler. Façon à plaquer bombe dans le territoire Gaza, surtout pour éviter pour protéger les civils. Il t'a semblé qu'il y a des bombes qui ont les lancées et bombes n'ont pas en contrôle. Donc le bombe n'a pas bon côté. Et, donc grand pile civil qui est victime. Et États-Unis pas contre pour ça. Et donc demande des Israël pour font gens pour le qui mesure capable de protéger la population civile. Là. C'est vrai que Israël lui-même tout lui dit que lui-même dit bah, et population consigne. Côté pour cacher dans quelle direction pour prendre pour aller et pour éviter que pas victime. Mais pour ça concerne les gars même il fait responsable à connaître que et son gars qui pas fini tout de suite gars dit plus longtemps que tu prévoir ça et au même pas camper gars tout autant que pas fini avec les militants amasseux ça et que pour pas exister encore donc ça c'est objectif que et Israël a lancé et au vrai que lancer assure que et Hamas pas utiliser territoire Gaza pour lancer attaque contre Israël. Donc c'est comme ça y est, c'est pratiquement c'est ça gain pour aujourd'hui et puis nous gain tout une délégation mal en Haïti directement une délégation qui est PNH alors et directeur police nationale là France LB ben il est en tête une délégation qui a visité Kenya depuis le 13 et objectif là c'est peut-être en préparation avec et mission ou bien encore mission et troupes et Kenya va diriger mission sécurité ou bien militaire police sécurité qui va finir en Haïti donc t'es une délégation qui est en Haïti ça va grand temps donc ça sont visite qui fait dans retour justement pour aller finir planifier préparer pour aller planifier arriver tout Kenya en Haïti qui d'après sa responsable fait qu'on est capable d'arriver en Haïti entre pour premier trimestre 2024 là. Entre temps délégation CARICOM en Haïti qui était rencontré acteurs politiques et ben retourné la caillou sans et avec les mains vides sans pas avec convaincre et les acteurs politiques qui sont en bas en politique et sans pas avec convaincre pour signer un accord qui est capable de débloquer crise donc crise a été j'en ai commencé et il pas résoudre parce que malgré ça fait quelques années, quatrième voyage que fait en Haïti, il a pas eu de CARICOM, on n'est pas tombé, on n'est pas résoudre, donc monsieur retourné. Donc on y a tout le monde attend qui Jean-Christ ça va résoudre, parce que le premier ministre est lui-même, il sera consolidé des positions par lui, et parce que les autres ne peuvent pas passer pouvoir, la première pouvoir par un gouvernement est légitime, un gouvernement qui est élu. Donc tout le monde et donc c'est un temps qu'on y a là pour qui ça va passer qu'on y a là après échec et dernier délégation et CARICOM non dossier Venezuela Guyane et soit fait de 160 000 kilomètres carrés terre non à bois qui vient et en Guyane que Venezuela a réclamé pour lui comme territoire libre de dirigeants des pays donc président Nicolas Maduro j'ai rencontré avec le président et guyanais n'a pas de Rafa et bien rencontrant sous l'obédience et CARICOM qui a assistance Brésil qui a assisté tout rencontrant
et l'ONU tout assisté en contre là et bien deux parties d'accord pour pas aucune agression militaire pour faire une contre l'autre pour pas une invasion pour qui vous faites pour pouvoir en résoudre mais n'a plus que et Guyane a déjà dit que terre ça c'est pas son terre pâle et n'a dit 160 000 km² ça que ont découvert là-dedans gain pétrole là-dedans avec gaz naturel et bien et Guyane dit c'est pour lui. Et le territoire, ça représente deux tiers territoire et Guyane. Donc, si Venezuela arrive à mettre sur ça, nous imaginons qu'il y a que Guyane va venir pour un petit point. Mais le président Venezuela a organisé un référendum dernièrement. Ils ont pour le demander des peuples, pour le demander d'avoir un référendum mettre à côté Cour internationale de justice, là, et qui est retiré, qui dit que pas aucun rien pour discussion. Mais Guyane souhaitait que le dossier allait devant le tribunal international pour résoudre. En attendant, deux parties pourraient plus rencontrer encore, puis continuer à discuter sans aucune agression verbale ni aucune agression militaire sous portion terre sale. Le Guyane réclamait que c'est pour l'Italie et que l'État a négocié portion terre sale. Alors, et référendum dans tout, référendum mis à faire pour lui demander pour que l'État fait portion territoire, ça a tourné un autre État vénézuélien. Et puis, il y a encore un premier ministre Henry qui te reçoit les commis de l'État, donc c'est des employés au niveau de l'État, il te reçoit tout le corps diplomatique là, médias, association médias, et secteur patron, justement, c'est fin de la, et c'est fin d'année, côté de Tébin souhaiter la révérence, saluer, tout, etc. C'est une salutation d'usage qui est fait dans fin année à côté que tout commis de l'État a salué. Bon, dans le cas, ça n'a pas un président, c'est le premier ministre, donc il a salué le premier ministre, il a fait un discours. Pour l'élection, espoir que je remercie tout le monde, tout le pays, tout qui a une contribution pour un qui mesure de aider et résoudre la crise du pays d'Haïti, que le reconnaître qui existait, mais le reconnaître que dans le premier trimestre, et 2024 là, on n'y a pas de changement. Très certainement, par exemple, il y a montré que solution, il y a fini par jouer une solution à la crise là. Mais il dit que lié au courant de situation, il y a courant de quoi un pays a gagné, mais on ne pas sans en attendant que Barrette, mais il n'y a pas de point à plus résoudre. Et puis, monsieur, et base, et Bandi Savio, et kidnappent pas une quinzaine de monde. Hier, entre les deux, il y a deux monde qui mourent et tout. Et monsieur font un ravageage, donc il prend 15 personnes quand il kidnappe 15 personnes. Donc la police vient du peu sur la planche. Non seulement ça vient, mais qu'il y a tout de situation dans Mariani, dans la sortie sud capitale là, tout est que monsieur on branche un gang armé qui est censé prendre distance avec un autre gang, mais il même y a popé là. Avec inquiétude, mais la police a mené plusieurs opérations, il y en a mouru, mais il continue là et fait et machine, encore usager, chauffeur automobile, payer un site de payer droit de passage. C'est comme ça que oui, c'est comme ça que l'argent. Il passe que nous kidnappé, mais même c'est ça, et là, il faut collecter l'argent, mais il y a une cause à mener au côté approprié là. Et puis je dis à comme je dis à Sévan, et puis il y a PNUD qui signe enfin pas tout, non, le Japon signe un accord avec la police nationale, pour un accord pour lui renforcer la police nationale là. Donc c'était à travers PNUD que le Japon signe ça. Et visite directeur général de la police nationale, la France a fait et au Kenya. Visite à la fin jeudi à parce que c'était du 13 au 15 et décembre. Voilà, c'est là nous toujours dire, je dis à ce vendredi, c'est week-end. Nous espérons qu'on va passer un très bon week-end en compagnie de la Voix de l'Amérique, visitez-nous. Et puis pour un fond, la situation d'immigration et DHS, ça veut dire que le département de sécurité intérieure est ouvert aujourd'hui pour tout le monde qui a un TPS. Tout Haïtien qui a un TPS déjà, eh bien, il a ouvert l'inscription. Réinscription à partir depuis avant hier, aucun 18 mois pour inscrire, pour renouveler et TPSO. Donc, le département de la sécurité a dit qu'il y a 60 jours pour monter faire, mais il faut ça l'ouvrir pour
et pour tout pendant tout 18 mois au capable renouveler les super sous barre d'affaires on peut faire mais rappelons pour remplir formule 821 ensuite on va demander pour permis de travail à tout et soit travail gamin cap babé dire que permis de travail n'est pas un travail bon chercher travail sous chercher aucune et pas travail t'as rien fait non c'est travail où je n'ai élibou on va chercher soit je ne prends pas non là dedans on va chercher soit t'as rien fait. Donc c'est comme ça et comme ça les donc déjà je l'ouvre pour monde qui gagne TBS me rappelle monde qui déjà gagne et statut protection temporaire monde qui était déjà gagne pas nouveau monde pas nouveau monde tu peux gagner le pour gagner le pour abdien pour seulement déjà pas seulement de monde qui gagne qui dans programme déjà et qui ont TPS et qui pral fini yo mando ou gagne doit renouveler au gagne période pendant toute période 18 mois que le valable là. Sous pas de renouveler que doit arriver pendant tout 10 mois au lieu de 2 mois au lieu de 60 jours de combat et bien tout le temps et ça va pour l'autre pays tout moi c'est 6 pays tout qui inclut dans le programme ça que autorisé au faire parce que dit que grand pile pression laisser seulement 60 jours pour on renouveler et renouveler sous pas dans faire après 60 jours ou un problème donc je dis que on doit faire pendant tout ça tout pendant toute période et 18 mois donc c'est surtout si et si bah on va expirer en 2024 donc il va pour expirer mais OK donc monde qui sur frontière pas oublier et pas venir sur frontière sans pas rendez-vous et sous faire l'autre programme là choisir l'autre programme moins facile pour venir aux États-Unis pas perdre du temps programme Bayou les programmes Biden non chaque jour monde pour appliquer pour venir enfant programme là bay grand pile bay cap dit m'pas ca dire rien pas grand qui code dit officiellement. Mais personne par contre qui s'est pas dit parce que grand juge qui sous dossier a déjà juge a fini de partir c'est seulement l'été pour prononcer sous demande et un groupe état république était fait pour bibliothèque le programme là tout et puis il y a une pression tout que Congrès a fait sur administration Biden pour que il changer façon et mon a venir chercher refuge aux États-Unis et puis tout pour baisser l'argent pour garantir sécurité et sous frontière. Et puis tout programme Biden, tout programme humanitaire et programme humanitaire Biden non pour revisiter. Et il t'a semblé, selon ce qu'a dit que l'administration, parce que c'est condition que les républicains dans le Congrès a posé pour être capable de voter, ils ont fait 63 millions de dollars et assistance militaire pour l'Ukraine avec Israël. Donc ces conditions sont opposées. Donc il t'a semblé comme l'administration qu'il a besoin et je n'en sais pour le pays ça. Eh bien, l'État de l'administration est capable de travailler avec les publics pour qu'ils soient capables de modifier dans la façon que l'État de l'administration de la façon que l'asile pour un pays a, et bien tout, et mettre plus de sécurité sur le monde. Bon après-midi, tout le monde, dans l'habitat, dans le programme, et dans l'habitat, le programme de la télévision, je dis assez nouvelles sur les lettres, donc on dit que ça a frappé, je dis à tout. Avec nous tous, parlez-nous de ce qui a passé parmi les vedettes ici aux États-Unis. Bon après-midi tout le monde.